semaine sur le plateau des enfants de la télé, votre rendez-vous nostalgie demi-semaine. Et disons bonsoir tout de suite à mon complice, Antoine Bertrand. Je vous adore. Bonsoir tout le monde. OK, allez vous asseoir, les filles. Antoine, faut qu'il travaille. Hein? Ouais, que ça rime à quoi? J'essaie de te rendre jalouse, Véronique! Ça marche! Qu'on y sorte immédiatement! Mais non, les filles, merci de vous être prêtées au jeu. Merci. Antoine? Parce qu'ils ne seront pas payés, évidemment. Oui, bien non, c'est sûr. Puis moi, j'essaie de succomber, mais mon corps veut pas. Je m'organiserais juste avec ta tête, Véronique. On présente-tu notre monde? On est bien, nous autres, là, mais... On jase, mais on a de la belle visite ce soir. Accueillons-les immédiatement sur le plateau. Mesdames et messieurs, nos invités ce soir, Chantal Fontaine, Lisa Pierre Brassard et Pierre Marcotte. Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Merci. Tout le monde va bien? Très bien. Oui. Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant, ça va. On commence tout de suite, si vous le voulez bien. On a d'abord un extrait qui met en vedette Lisa, ce soir. Oui, Lisa qui était hôtesse lors de l'inauguration de l'aéroport Mirabel. Oh. Toute jeune femme, on regarde. Et voir, j'imagine, à l'écran, quelques figures connues, des gens qui sont déjà à la mezzanine. Ah. J'ai aperçu tantôt Madame Jeanne Sauvé. C'était l'ouverture de l'aéroport Mirabel. Et pourquoi on est habillé comme ça? Parce que oui. Nous sommes les futures hôtesses pour les Jeux olympiques. Alors là, on est au... Qui se passait au Yémen. Oui. Merci, Antoine. J'en reviens pas, c'est la première fois que vous avez déniché ça. Oui, c'était en 75. Oh, c'est incroyable. Oui, en 75, 76, les Jeux. Arriviez-vous à la piscine ou... Non, mais il y avait quelque chose... ça devait... Hey, c'est Michel Saint-Laurent, le look, tu comprends? Ah. Oui. C'est le premier casse de bain en matière. C'est très Québec. On l'a tricoté nous-mêmes. Pierre-Éliott Trudeau était là, bien sûr. On l'a vu sur les images. Pierre Brassard aussi a eu la chance de rencontrer Pierre-Éliott Trudeau. À plusieurs reprises. Oui, et ça se passait un petit peu moins bien qu'avec Lisa. Très, très désagréable à chaque fois. Ici la remontante compagnie de M. Trudeau, juste pour une dernière fois. Je pense qu'il m'a reconnu. C'est normal qu'on va y arracher sa barbe. M. Trudeau, j'ai une dernière question à vous demander. Vous avez déjà... Monsieur Trudeau, vous avez déjà traité Robert Bourassa de mangeur de hot-dog. Je voudrais savoir, vous, à cause de vos initiales... C'est l'heure de la lutte. Vous, avec vos initiales, là, le mot pète, là, ça veut dire... C'est le retour du grand. Ouais, mais... On lâche pas. Il avait 75 à peu près à ce moment-là, 75. Mais moi, c'était pas si en forme que ça. Il visait le menton, mais tu étais d'une ténacité. Mais à chaque fois, j'avais un peu oublié l'extrait, puis il s'en passe des choses quand même en à peu près 15 secondes. Et une ténacité, c'était une bonne soirée. Là. Pour une soirée bleu poudre, là, si je me souviens, c'est exactement à peu près, c'était en 93. Oui, exactement. Donc, tu dois avoir les papillons quand même. Oui, puis ça allait pas... Dans ma vie, c'était pas le bonheur, puis j'avais besoin d'une espèce de... d'un truc fort, et puis finalement, je suis allé vraiment à fond, puis j'étais pompé par mon caméraman réalisateur, puis tout ça, puis il fallait qu'on... On n'a jamais eu autant de publicité qu'avec cette entrevue-là. Ouais, là, s'il avait atteint son coup de pied, mon jeune homme, tu parlerais plus haut que ça. Oui, je sais. Merci. Je sais pas, mais vraiment, en tout cas... Bernard de Rome, évidemment, à la fin de la... Quand on a diffusé l'image pour la première fois, il avait dit... on lui avait donné un extrait, puis il se demandait lui-même si Trudeau m'avait vraiment touché l'entrejambe, parlons clairement. Et il avait fini en disant « Mystère et boule de gomme ».
Bernard de Rome qui dit ça, moi, tu sais. On adore. La plus vieille archive de Chantal Fontaine remonte à 1987. C'était dans une publicité de Budweiser. Maintenant, alors, et on était là toutes les deux. J'étais la cliente, moi, là-bas. Non! Oh, oui. Oui, c'était Mme Labatte. Oh. Tout à fait. Moi, j'étais la cliente chez Labatte. On tournait les commerciaux. Oh, oui. Et puis, tout à coup, on voit arriver la belle Chantal avec la chevelure. Alors, tous les gars autour, que ce soit le caméraman, directeur artistique, le président de l'agence, ainsi que tout le reste, étaient là. Es-tu belle? Es-tu belle? Es-tu belle? Je vous garde. J'ai bien compris, vous faites enlever par une soucoupe volante. C'est comme le camion de Bud qui se transforme en discothèque, finalement, sous un soir de pluie. Ah oui. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça, je m'en souviens, c'était cool. Avec un acteur, avec un acteur à côté de toi qui joue un peu gros. Mais à l'époque, les pubs de bière mettaient en vedette des belles filles, comme Chantal. Ah, ben, oui. La différence, c'est qu'elles étaient habillées. Ouais, dans le temps. On en avait quelques-unes. Tout était dans le cheveu. Notre seul invité ce soir ayant des archives en noir et blanc, et j'ajoute même pas de son. Pas de son. C'est Monsieur Pierre Marcotte. Cherchez-le pas. Non, mais on a des images, pas de son, sérieusement, qu'on va regarder pendant qu'on en discute. C'était en 1964, quand vous avez accueilli à l'aéroport de Dorval Gilbert Bécaud. Non, non. Oui, non, oui, on non, va non, voir non, Pierre. Non, non, regardez. Non. Ça se peut. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah. Ça se peut pas. Tu parles de Bécaud, là. Non, non, non. Ah non, moi, quand j'ai vu ces images-là, c'est ce que j'ai dit tout de suite. On voit Lisa en arrière-plan avec sa tuque en macramé. Qu'est-ce que c'était, Pierre, ça, l'accueil de Gilbert Bécaud? Pourquoi? Mais c'était parce que Bécaud s'en venait en spectacle à Montréal. Puis à ce moment-là, on allait les accueillir souvent. Qu'est-ce que tu faisais? Étais-tu journaliste? J'étais à la radio, à CKVL à l'époque, et j'avais été passer 6 mois en Europe. J'avais demandé à M. Teitelman pour aller passer 6 mois et faire des entrevues avec des gens. Alors, j'ai fait des entrevues avec Jean Marais, avec Bécaud, avec Aznavour, avec tout ce monde-là. Wow. Je me tenais là, tu comprends, à 22 ans. Imagine-toi. C'était le bonheur total. Je me suis amusé comme un fou. Et ça me donnait, après ça, la notoriété d'être capable de l'accueillir, M. Bécaud. Une espèce de prestige. Ah, oui. Une espèce de prestige. Oui, je connais M. Bécaud. Aujourd'hui, c'est Antoine, votre tournée. Antoine! Mais il n'y a pas à dire là-dessus. T'es bouche bée, là. Je ne connais personne que vous avez nommé, M. Marcotte. Non, je c'est justement. À ce moment-là, c'est là qu'on voit que la culture est pas forte. La vie, Pierre! On parle de culture, pas fort. Ouais, ce qui a fait de vous un incontournable de la télé, ce sont les tannants. Oui. Je ne veux pas vous faire un lien, mais quand même. Correct. On va regarder un extrait, ça a tellement marqué la télé au Québec, les tannants. Oh. Oh non. Le générique des tannants. Pour la dernière émission, ça vous ferait-tu de la peine d'en voir un à l'eau? La piscine! Peux-tu imaginer, Antoine, le plaisir qu'on a eu à faire ça? Mais peux-tu imaginer que j'ai passé 10 ans de ma vie à rire comme un fou avec les plus grands comiques du Québec? Oui. Sais-tu quel privilège ça peut être, ça? Et à l'époque, Pierre, là, moi, j'aime bien le rappeler aux gens parce que c'était assez exceptionnel. C'était une émission diffusée à l'heure du souper. Oui. Et ça faisait plus de 2 millions de cotes d'écoute. 2 millions de cotes d'écoute. C'était extraordinaire. 2 millions en moyenne. Mais il y avait deux postes de télévision. Oui, quand même! Il y avait deux postes de télévision, c'est bien s'entendre. C'était pas dilué comme ça. Je me rappelle aussi, dans une autre vie, je travaillais à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Et
vous faisiez des représentations des tannants, là, à l'extérieur. Et moi, à des heures régulières, je prenais ma pause pour aller voir le monde qui se faisait garrocher dans la piscine, parce que c'était vous et M. Giguère, exactement. Giguère. C'est ça? Oui. À chaque fois que je montais sur la planche, je déstabilisais toujours la personne qui lançait la balle. Donc, les gens en salle disaient « Ferme-toi! Tais-toi! Tais-toi! » Moi, je disais « Madame, vous allez lancer tout croche, vous n'êtes pas capable. » Puis, donc, je réussissais à tomber, disons, une fois sur 10. Roger Giguère, c'était 6 fois sur 10. Alors, évidemment, que quand je tombais à l'eau, là, les gens dans la salle étaient debout. Ils montaient ses sièges. Ils étaient tellement contents. Je me serais noyé. Il y aurait ri 5 minutes de temps. Je vous le dis. C'est effrayant. Oh, mais là, on a entendu un petit... Oui, quand même. Un petit bec de pique-bois, Chantal. Il va voler mon gosse. Ce soir, un des rois de la télévision, Pierre Marcotte, qui a pratiquement tout fait, notamment le quiz très élaboré sur des roulettes. Je le savais qu'on y arriverait. Ouais, sur des roulettes en 1980, voici à quoi ressemblait l'ouverture lors de la première. Avertissement à la maison, si vous êtes épileptique, fermez le téléviseur. Avec le sympathique et séduisant Pierre Marcotte. Merci. 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 Bon, bien. Wow. Hey. C'est dur pour la rétine, hein? Ben, c'est dur pour la rétine et c'est assez rudimentaire comme décor. Je suis le premier enfant de TVA qui est devenu un membre de la Sainte et Sacrée Chapelle de Radio-Canada. C'est vrai? J'ai commencé à TVA. J'étais au Tannant à l'époque et on m'a demandé de venir faire sur des roulettes. Et je me souviendrai toujours, j'avais demandé la permission à M. L'Herbier et je peux vous dire que j'en ai mangé de maudite. J'ai eu peur de perdre ma job d'une façon incroyable parce que dans le temps, la bataille était serrée. Oh, dans le temps? Aujourd'hui, disons que oui. J'allais plutôt dire que c'est... Oui. Joël Legendre a suivi vos traces, finalement. Il a peut-être eu ça aussi un peu, là, mais là, il est rendu ici maintenant. Moi, je m'en souviens pas. On gagnait quoi à l'époque? Un beau décor. Regardez un beau décor. On était heureux. Un mal de terre. J'en ai fait tellement. Travaillait trop. On comprenait pas trop le but de ce quiz-là. Ben, c'est ça. Non. Mais par contre, on sait que ça servait à une chose, ça servait à insulter l'animateur. Noir, niaiseux, nul, nullité, nullement. Nuit, impair. C'est pair. Innocent, idiot, imbécile, ivrogne, ivresse. Ça continue, mon mari chez nous, hein? Madame Chapdelaine, le total. Alors, malgré tout, c'est 41 points pour ma Dans cette carrière, on a droit à tous les qualificatifs. Oui, juste au moment où on pensait que l'écran pouvait pas contenir plus de couleurs, boum, Madame Chapdelaine vient nous, avec ses lunettes demi-fumées. Chantal, bien sûr, ton rôle marquant à ce jour, c'est celui de Virginie Boivin. Et on a un extrait... T'étais dans Virginie? On s'est pas vu, là! On se serait pas croisé quelque part! C'est possible, hein? Mais oui. On a un extrait du tout premier épisode, parce que ça semble bien loin, déjà, il y a 14 ans. C'est bien loin. Encore 40 ans, là. Je commençais à me trouver pas mal vieille. Mmh. Belle petite vieille, par exemple. Allez, je mets du beurre. Juste la confiture, c'est pas bon pour la santé. Rempli d'amour, ça? Ouais. Mais encore moins. Pourquoi tu mets déjà de la crème dans ton café? Oh, tu veux le sucre qu'il y a là-dedans, là? C'était son premier citron! Le premier citron! Oui! Ça doit être quand même particulier, Chantal, quand on revoit ces images. Tu savais pas du tout ce qui t'attendait à l'époque? Non, absolument pas. À ce moment-là, il était question de 2 ans. Et peut-être, si tout allait bien, 4 ans.
mais pas de 12 et 42. Et, c'était, non, oui, oui. Oui, oui. Non, alors, il n'était pas question que ça. Et ça, c'est très drôle parce que quand on a fait la millième, on a fait un petit DVD avec la première et la millième. Et quand mes enfants ont regardé ça, le premier épisode, ils se roulaient littéralement à terre. Là, ils trouvaient ça tellement drôle. Moi, Chantal, la romantique en moi, voudrait revoir la tendresse dans le bec entre Jean l'Italien et toi. C'est quelque chose de l'oiseau, hein? Oui. Du bois. Je commence à me trouver pas mal vieille. Ben, petite vieille, par exemple. Hey, je mets du bain. Oh, mais là, on a entendu un petit. Oui, quand même. Le premier coup, je l'avais pas entendu. Tu étais blessée. Juste, Un petit bec de pique-bois, Chantal. Je garde ça. Je vais donner mon glace. Vous obtenez votre lien avec Régent Tremblay? Lui était journaliste au sport. Okay. Et puis moi aussi. Okay. Alors, comme j'étais la première en électronique à être journaliste au sport aussi, donc on suivait le hockey. Vous vous êtes côtoyé lors de plusieurs voyages. Oui. C'est donc probablement pour ça que vous lui avez inspiré un personnage. Tout à fait. Linda Hébert, dans L'Ancien Compte, c'était Lisa Frula. Non. You know, I think you boys are looking real bad. Avant que tu la prennes par quelqu'un d'autre, j'ai quelque chose à te dire. La fatigue t'a poché déjà tout ça. Naturellement, tu trouves que j'exagère. Écoute-moi bien. Fais pas exprès non plus, hein? C'est pas parce que t'es une femme que tu peux tout te permettre. Écrase! Mais dans ce personnage-là, il y avait du moi, il y avait du lui. Okay. Il y avait du Jean aussi, là, on s'entend. Okay. Et puis, moi, je veux dire, par contre, que comme journaliste au sport, c'est les gars et les joueurs même qui m'ont invité à entrer dans la salle des joueurs. J'ai jamais forcé une porte, rien. Je les faisais sortir pour faire l'entrevue. Et puis, à un moment donné, ils ont fait, ben écoute, tu sais, veux-tu, s'il vous plaît, leur rendre? Fait que là, je me suis dit, bon, OK, parfait, je suis acceptée. Linda Hébert était perçue comme une bitch dans l'ancien compte. Donc... Ben ça, c'était le côté de Régent, ça. Pierre, on va retourner en 1988 à l'époque où tu co-animais l'émission Première ce soir. On doit s'attendre à une superbe soirée alors qu'Alvaro Pierri interprétera les œuvres de Villa, Le Boss et de Fala. Voilà, c'est tout pour Première. Bonne soirée. Eh bien, ne manquez pas, Première ce soir, du lundi au vendredi à 22h. Sur les ondes de télévision 4 saisons. Oh, le petit sourire en toi! On sent le comique, là, qui est là. C'est avec qui? Avec Diane en France. Bien vu. Oui, ça, c'était Première ce soir, c'était en direct. On m'avait donné gratuitement 3 paires de lunettes pour me vieillir, parce que, évidemment, j'ai l'air d'un pinson, je sais pas trop, là, de 14 ans. Puis, donc, j'avais 3 paires de lunettes gratos. J'étais bien fier. Moi, je les portais, puis elles sont très laides, mais... donc, Ça te rapprochait de ton rêve d'être lecteur de nouvelles. Oui, exactement. Voilà. Mais c'est là où je déconnais, c'est durant les pauses. Parce que quand il est arrivé Sans Limite, celui qui a créé Sans Limite, René Gilbert, là, il venait voir dans la régie et puis il dit, pendant qu'il est drôle, il regardait l'émission, il ne me trouvait pas drôle, mais dans la régie, là, je déconnais beaucoup. Mais alors. Comme là, pendant la prochaine pause, tu vas être hilarant. Ah oui, c'est ça, oui, oui. Alors, on rit tous en cœur et on revient dans un instant aux enfants de la télé. Vraiment, là? Encore une fois, si j'ai jamais vu ça, là, c'est la première fois. Vous faites des très beaux cadeaux ce soir. Et je me sens, là, écoute, là, chez lui. Marquant de votre carrière, c'est assurément votre première victoire électorale? Ben, souvenons-nous. Non. Maintenant, on va vous présenter une nouvelle venue à l'Assemblée nationale. Bientôt, on la présentera probablement comme Madame la ministre. Pour l'instant, on a dit qu'elle avait été l'inspiration de la Linda dans L'Ancien Compte. Alors, elle est en compagnie de Gilles Morin. Je vous la présente. Oui, Madame Lisa Hébert, les femmes occupent de plus en plus de sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que, d'après vous, il y a un rôle majeur à jouer, un rôle à développer pour les 4 prochaines années? Écoutez, les femmes représentent 53% de l'électorat. Alors, c'est évident que les femmes ont un rôle majeur à jouer, c'est normal. Ah, y a-tu répondu? Hey! Hey! Merci, Mme Linda Hébert!
Lisa Hébert, oublie pas, là, je m'appelais pas Lisa Foulard. Ben oui, puis Lisa Hébert, Linda Hébert. Après ça, l'Hébert a quitté. The artist formerly known as Lisa aussi. Mais c'est drôle, hein, parce que j'ai jamais vu ça, moi. Non? Ben, évidemment, non, je suis dans l'action. Ouais. Alors, j'ai jamais entendu Bernard Dorin. Ah, puis on n'enregistre pas ça, notre victoire électorale. Alors, on ne programme pas notre vidéo. Non, pas du tout. Okay. Alors, par 89, on arrive. Ça m'a fait souvenir, vraiment, là, c'était un mouvement... C'était très émotif aussi, la première fois. Là, tu gagnes, puis tout ça. Même si j'étais dans un comté sûr, puis t'es pas mal sûr de gagner pareil, mais donc, quand c'est même. C'est la confiance des gens qui. Oui, oui, tout à fait. Ça. Non, j'étais. Puis c'était un beau comté aussi, c'était Ville-la-Salle. C'était un beau comté. C'est d'entendre Bernard Dorin faire un petit patinage aussi. Ben oui, c'est assez drôle. Apparemment qu'elle aurait. Ben, tu dois faire un bon Bernard Dorin. Eh bien, c'est ça. C'était la Linda Hébert, bien sûr. Hein, Anecdote de vieux routier, là. Merci. Je n'entends pas. Votre chemin politique vous a finalement mené vers un ministère, mais c'est pas tout le monde qui connaissait votre nom à l'époque, Madame Troula. Non, pas vrai. Madame Troula Hébert, députée de Marguerite Bourgeois. Ça, c'est mon assermentation en plus. Ça part bien. Je jure que je serai fidèle et je porterai vraie allégeance à la Majesté, à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Je jure que je serai loyale envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de députée avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Ça, c'est la fermentation. Alors, je vais vous dire, vraiment, là, encore une fois, si j'ai jamais vu ça, là, c'est la première fois. Vous me faites des très beaux cadeaux ce soir. Et je me sens, là, écoute, là, je suis émue. Avoir ça, là, ça me revient. C'est très, très, très émouvant dans une vie, au moins. D'avoir la... Je vous le dis, là, aujourd'hui, on parle des politiciens, on galvaude ça beaucoup. Même nous, quand on le commande, des fois, on est assez dur. Mais je dois vous dire qu'au-delà de tout, là, c'est un grand moment dans une vie. J'ai été très chanceuse de vivre ces moments-là. C'est vrai. Oui. C'est pas l'air super contente. Trouvez-vous? Non, vraiment, j'avais peur de pleurer. Ah, c'est vrai? Non, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que moi, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas la joie. Je vous le dis, même là, tu sais, tu réalises, puis tu fais... Oh mon Dieu, puis t'as une certaine sens de responsabilité. Puis j'avais peur. Moi, je partais du monde corporatif. J'ai jamais vraiment milité. Tu sais, j'ai toujours été dans le monde, que ce soit le monde de la brasserie ou encore à la tête de Séquencé. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, là, c'est autre chose. Fait qu'il y avait aussi beaucoup de, oui, d'émotions. Puis à un moment donné, tu te dis, oh, est-ce que je vais être à la hauteur de la tâche? Puis dans quoi je m'embarque? Vous étiez bien entouré, juste l'écharpe que vous avez. Oui, j'avais peur d'avoir froid. C'était en février, ça? Oui, c'était quand? Non, c'était en septembre. Ah, c'est loin. Lisa n'a pas été la seule à être interviewée par Bernard de Rome. Chantal aussi l'a été. Et dans le prochain extrait... Oh, et tu ne t'en souviens pas. Tu vas t'en rappeler. C'est un très bon moment. On voit dans ce moment de télé que Virginie n'était pas professeure d'histoire. Chantal Fontaine, est-ce que vous vous souvenez des toutes premières fois où vous avez vu la télévision? Mon Dieu. Je me souviens quand Kennedy s'est fait assassiner. Ça, c'est un souvenir loin, que tout le monde était devant la télé. Je me souviens des funérailles avec le petit John Kennedy en avant, le petit John. Mais vous êtes né en 65. Mais il est mort avant ça? Mais non. Ah oui. Mort en 67? Non, il est mort en 62. Combien? En 60 quoi? En 62, il est mort. Bon, ben alors, j'ai dû revoir ça après. Ouais. C'est des images, ça, qui me sont restées. Ah, je pensais 67. Ouais. Oh, Chantal! Que ce souvenir-là, après ça, mon chum m'a tellement chicané. Mais j'étais chez ma tante et c'est comme rester ce souvenir-là. Et effectivement, t'es pas pantoute correct dans la date. Bon, donc, ça devait être une mais reprise. Mais tu l'aurais vu, mais c'est clair. Bernard Dorin, c'est en 62. Ben oui, ça, c'est clair. Ben c'est pas en 62, mais... c'est mais ça. Non, mais même Bernard se trompe. Ben, c'est ça, quand t'es assis là devant la télé, et c'est honnêtement ce souvenir-là chez ma tante, tout le monde. Pis,
c'était la première fois que moi, ça me sautait d'en face. C'était ça qu'il y avait à la télé. Mais c'est-tu en 63, finalement? 63. Ben, écoute, okay, attends, là, oui, 63. Oui, oui. Il est mort en 63 69, et il a été assassiné oui. au Cap de la Madeleine. Ah! Ah! Lisa, après avoir été ministre de la Culture au gouvernement du Québec, vous avez été aussi ministre de la Condition féminine dans un gouvernement libéral à Ottawa. Donc, oui. bien sûr, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que ce serait possible de voir une femme comme premier ministre à la tête toujours. De notre pays? Oui. C'est encore possible? Vous y croyez toujours? Est-ce que c'est... Oui, et ça devrait être possible et ça devrait être... Enfin, ça devrait être même là. Ouais, ouais. Vraiment, oui. peut-être que... Première ministre du Canada, une femme première ministre du Québec, une femme aussi à la tête de Montréal, peut-être que... Je vous parle de Keith Spicer. Oh. Ouais. Keith Spicer a été le premier commissaire aux langues officielles du Canada dans les années 70. Oui. Et plus près de nous, en 90, il a été nommé en charge d'une commission pour étudier l'avenir du Canada. Hein? Oui. Eh bien, ce fameux Keith Spicer, voici son avis sur l'avenir des femmes en 1964. Verriez-vous une femme à la tête d'un de nos partis canadiens? J'estime que tout est possible, mais je suis presque certain que dans l'avenir prévisible, elle ne serait jamais élue ou elle ne serait jamais premier ministre. Je ne peux pas concevoir un parti sérieux au Canada ayant comme chef une femme. Dans l'état actuel de l'opinion publique, jusqu'à un nouvel ordre, une femme dans la politique est presque toujours un objet de ridicule. C'est une bizarrerie. Il n'y a presque pas d'exception. C'est un peu comme un chien qui joue du piano. On ne s'étonne pas de ce que le chien ayant des tourelles. On s'étonne seulement du fait que le chien sache s'asseoir, taper quelques accords sur les touches. Ah, oh, c'est effrayant! C'est pas mal, là, moi, je donne envie de brûler ma brassière. C'est exactement ce qui est arrivé. Ah, ouais, alors, on est, ouais, là, on est dans le mouvement. Là, on est en 1964. Hey, puis attention, alors, c'est qui, tu penses, là? Ben non, mais 1964. Belle occasion de fermer sa gueule, même en 64. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Mais c'est ce qui a fait qu'en 64, les femmes ont fait, entre autres, là, le mouvement féministe est parti bien avant, là, avec Idéla oui. Saint-Jean et tout, mais oui. là, rendu dans les années 60, puis tout ça, les femmes ont fait, ça suffit. On va, y avait une entrevue même... non, il y avait un reportage documentaire à Radio-Canada. On demandait à des gens dans les années 60, là, des jeunes hommes d'université, « Toi, ta femme, bon, est-ce que tu veux que ta femme travaille? » On est au début des années 60, quand on parlait de la révolution des femmes et tout ça. Et puis, les gars disaient, « Non, nous, on voudrait quand même avoir une femme. Ma femme s'occupe des enfants et tout ça. » Là, ça, c'est le début des années 60. Ouais. Alors, on a fait quand même un très grand chemin de 64 à aujourd'hui. Faut moi, se dire ça. Moi. La famille s'est modernisée beaucoup. Je regarde les jeunes couples aujourd'hui. Oui. Il y a un partage qui est de toute beauté entre l'homme et la femme. Et il y a une complicité qui n'existait pas chez nos parents et même avec nous, nos femmes. Et cette complicité-là, je pense, va changer la donne. Et c'est là que, durant les 15-20 prochaines années, que les femmes vont vraiment prendre leur place. Espérons-le. Ah oui, tout à fait. Yes, we can! Oui. Yes, we can! 69. Une scène avec Daniel Ouimet et aucun souvenir. Absolument pas. Pierre, en 69, le Daniel Ouimet, tu te rappelles? Ben oui, ben, le canard populaire. Hello! On cherchait un invité mystère et on voulait demander à une espèce de, je sais pas, d'Indiana Jones bas de gamme là, qui jouait dans une pub d'aventure électronique de venir nous rendre visite. Et puis on s'est aperçu qu'on l'avait avec nous ce soir. Oh! Ça, c'est génial. Ici, un nouveau monde à découvrir. Viens, on va vivre l'aventure électronique. Disque, livre, radio d'auto, téléphone, sauter des sentiers battus, venez voir du jamais vu. Fantastique, aventure électronique. Je pensais l'avoir détruite, mais non. Ça existe. Excuse-moi, là, tu parlais de nos pubs de bas. Ouais, peut-être. Moi, j'aime autant ma bière. On dirait que tu maîtrises pas ton corps, Pierre. Ah, pas encore. Non, mais j'aimerais y aller aujourd'hui. T'as dos là-dessus. Mais oui, c'est ça. C'est un 60 secondes aussi.
Mais attends, c'est quoi le concept? C'est tu vas mener ton perroquet à la garderie, puis après ça, on va se magasiner une TV? C'est le concept sur papier, sérieusement. C'était béton. Indiana Jones qui rentre, justement. Donc, des gens de la campagne qui rentrent dans un magasin et ils se modernisent au fur et à mesure que leur passage dans ce magasin-là se poursuit. Parce qu'à la fin, on est complètement moderne. Là, on sort de... C'est ça le concept qu'on m'avait expliqué. Oh, pour ça, j'ai dit oui, moi! Parce que c'était un tour d'horizon de l'ère moderne. Oui, c'est ça. Ouais, j'avais des cheveux. Chantal nous a vanté, elle, les mérites du Canada dans une publicité de Patrimoine Canada. Elle jouait une Européenne avec un accent russe ou tchèque. On n'est pas sûr. Et j'ai hâte que tu nous traduises le tout. Oui. Anna, the same flat country everywhere. Anna, is it baby? All right. Yannick, this is Kovac. I'm a star pepper. Elle a le papier goudron, ça. Oh, c'est de l'anglais! Avec un gros accent ukrainien. OK. Oh, OK, bon. Donc c'est... Ah, il marche, mon Yannick, accent ukrainien. Ton chum s'appelle Yannick. Oui. Yannick, puis Mrs. Kovac. She has tar paper on the roof. Ah, oh, elle, elle a du papier goudron. Sur oui, dans parce que je faisais des... Oui! Si vous détectez de l'anglais dans l'extrait, faites-le 1. Yannick, Mrs. Kovac, je suis un star pepper de vous. Voyons, Véronique, continue ton ukrainien. On the roof, là, c'est là qu'on le perd un peu. Formidable! Oh, j'aime ça! Attends, je fais un calcul rapide, là. Si t'as eu ton premier enfant en 1910, donc t'étais né quand JFK est mort. C'est pas la reprise que j'ai dit! Bernard de Rome! Qu'est-ce qui est le pire, Chantal, coloniser le Canada ou se faire frencher par un épaulard? Tourisme Ontario vous souhaite une bonne émission et vous invite à visiter le site Ontario Travel. Oh. Bon! Bernard! OK, encore une fois, dramatisation alors. Dans le rôle de Chantal Fontaine, Chantal Fontaine. Oui. Et dans le rôle de l'épaulard, Antoine Bertrand. Et on retrouve un peu de la première émission de Virginie. OK, oui, ah, avec le toujours la même presse. Alors, je demanderai la collaboration. Côté, hein? Oh, oui, c'est sur côté. Oui, okay. Ah non, c'est, là, c'était fantasme à maison, alors, tout le monde aime Marineland. Ah, oui. Dans 3, okay. 2, 1, go. Tout le monde aime Marineland. On salue le public. On a eu un semi-ovation. Antoine Bertrand ne me fait jamais ça. Elle est dédaigneuse. Ne me laisse jamais la joue. On est au vieux clocher de Magog tout l'été. Dis-moi que c'était pas prévu, ça, parce que je trouve ta réaction extrêmement spontanée. Non, absolument pas. Non, c'est très drôle, mais... Parce que l'épaulard t'embrasse. Non, mais il vient jusqu'à toi, là, quand... Mais pas qu'il donne un bon coup, parce que quand même, c'est plus que Bernard dans Virginie, ça, tu recules, là. C'est un chum d'à peu près 2000 livres, là. Il sort la langue, le petit cochon, hein? Non, je pense qu'elle est sortie en permanence. Ouais. Il est pas là? Elle est comme là, toujours. Elle est tout le temps là? Ouais. C'est grave. C'est bizarre. Appelez-moi le pouvoir. On parlait tout à l'heure des femmes en politique, mais qu'en était-il des femmes dans la publicité? Pierre, vous, la femme objet en pub, vous connaissez? Parce qu'on a une pub qu'on va regarder de 1969 qui vous mettait en vedette, ainsi que Daniel Ouimette. Oh! On regarde ça. La nouvelle Dodge Challenger fait de vous une vedette. Si cela vous convient, vous et Dodge, ça ira bien.
Mais c'est bien vous, Daniel. Quel film, quel costume. Écoutez, il y a sûrement erreur. J'ai retenu votre nouvelle fettuccine. La nouvelle Dodge Challenger, RT. Challenger? Un modèle spécial. Pour vous, ils l'ont tout abîmé. Quelles lignes arrondies, quelle forme. Eh bien, merci. Siège tonneau. Ah, ça, par exemple. Donc, en 69, Pierre... Non. Non, mais il s'en souvient pas. Absolument. Aucun souvenir. En 69. Une scène avec Daniel Ouimet et aucun souvenir. Absolument pas. C'est quoi, Pierre, en 69, le Daniel Ouimet, tu te rappelles? Ben oui, ben, comment populaire. Hello! Gros cul, en 69, on disait siège tonneau, c'est ça? Oui, parce qu'il dit siège tonneau, puis il répond à ça, là. Tu vois aussi dans l'extrait, vous l'avez-tu du fun à dire? Une lettre sous le mot graine. Regarde, chevreuil sur l'autoroute. Je peux pas croire que je vais dire ça. Pour se démarquer en télé, il faut prendre des risques. Parfois même, il faut aller jusqu'à travailler en couple, Pierre. Vous étiez avec Shirley Theroux, vous étiez marié avec elle. Oui. Recommandez-vous ça? Vous, on en a ici. On a la moitié d'un couple avec Sylvie, puis on a un couple. Absolument. Trouvez-vous ça recommandable? Oui, c'est recommandable parce qu'il y a une complicité qui s'installe puis qui est merveilleuse. Cependant, si on en fait un mauvais usage, évidemment, ça peut tourner au vinaigre. Mais il faut s'aimer. C'est la prémisse première, s'aimer. Ouais. Il paraît c'est quoi, que le mauvais usage, c'est quoi? Ouais, c'est vrai. Mauvais usage, c'est de penser à un moment donné qu'on est plus fin que l'autre et qu'on commence à être directif, puis on n'a plus de compréhension, puis on commence à se mêler. C'est vous des qui avez fait ça? Je n'ai pas fait ça. On me l'a fait. J'aurais donc dû fermer ma gueule. Ah. Ça, ça a été long à ramasser. C'est te vrai? Jure que, ben oui. C'était en direct, ça ben aussi, oui, à l'époque. C'était en direct. Oui. Shirley vous attendait avec un rouleau à pâte en arrivant à la maison. Ouais. Et toi, Antoine, parle pas. T'es bien chanceux qu'il y ait du montage, OK, là? Pierre, Raymond Beaudoin est déjà allé jouer à l'émission Action-Réaction avec une participante du public. Une lettre sous le mot graine pour ma partenaire. M. Montrer. Ça, ça me fait à chaque fois. Mais les on yeux, hein? Le regard du chevreuil sur l'autoroute, je peux pas croire que je vais dire ça. C'est un jeu d'association du c'est ça. Donc, c'est ça. Mauvaise journée, journée mauvaise. Graine, montrer sa graine. Mais mauvaise graine aussi. Mauvaise graine, c'est une expression. Mais c'était, en fait, le mot, c'était monter en graine. Mais tu sais, on le voit pas, Richard Sainte-Sirois aussi dans l'extrait, vous l'avez-tu du fun à dire une lettre sous le mot graine? Et puis la petite madame en question, je pense qu'elle était même enceinte, donc elle était extrêmement fébrile, je me souviens à l'époque. Fait que c'était. Ça n'a pas de sens de solutionner puis de penser que ça va être ça, là, tu sais. Un grand risque en télé, c'est de dire vraiment ce que l'on pense. Et dans ce domaine, Lisa mène une carrière plutôt risquée. Quelle est l'autre façon de dire avoir une ecchymose? Johan. Avoir un bleu. C'est une bonne réponse, bravo. Alors, oui, code d'écoute 415 000, ça c'est une bonne code d'écoute, sinon 330 000, on est à 10. 13 de part de marché, 13 % de part de marché. Donnez-moi un mur, donnez-moi un wipeout. Ça, c'est niaiseux. Ça, je ne peux pas comprendre. S'il y a de la bouffe dans le visage, Lisa, elle peut pas. Non. Et je vais te dire, là, par tout respect pour les 450 000 là, qui regardent ça, là, allez jouer dehors, là, faites quelque chose avec votre enfant, baisez votre blonde, mais quand même... Ça, je trouve ça mieux. J'ai essayé de suivre votre conseil et j'ai proposé à ma blonde d'aller baiser dehors devant des enfants, puis elle a fait non, non.
J'ai pas que j'ai pas essayé, là. Ça a-tu du bon sens? Ben, tu sais, j'ai haï ça, là. Et mais ben, vraiment, là, je le fais, je le montre. Vous vous gênez pas pour dire ce que vous pensez. Non. Puis même à ceux qui sont pas contents, vous vous gênez pas pour leur dire non plus. Ben, je le dis, on s'excuse, là, mais c'est ça. Ben, on a des images, là. Ouais. Elle se gêne pas. Lisa, quand elle aime pas, ceux qui sont pas contents, regardez bien. Un, c'est un mort. Et puis l'autre, c'est le sien. Fait qu'il reste lui qui a voté pour lui. Au moins, il n'y a pas de plante. Ça, c'est... Il y a du langage non-verbal. Non, mais c'est ça. Là, je me suis retrouvée avec ça. Au lieu de faire un, deux, trois, tu sais, les Italiens, c'est un, deux. Bon. Alors, je me suis retrouvée sur YouTube, comme Mais Lisa, ça fait de vous un formidable personnage à imiter. Lisa Fruland, bonsoir. Bon, moi, je le sais, là, c'est quoi Twitter, là, mais moi, j'haïs ça. Puis là, je parle juste en tant que moi. Donc, moi, je suis plus capable. Puis là, je le sais, là, moi. Bon, l'émission, c'est juste de la télé. On en pense quoi? Lisa, bon. Moi, en tant qu'ancienne ministre, en tant qu'ancienne animatrice, en tant qu'ancienne journaliste, ancienne productrice, et aussi en tant qu'ancienne jeune femme pitoune, qui, soyons honnêtes, est encore un petit peu sexy, genre ma tante cochonne, moi, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup de misère avec ça. La fille qui passe l'extrait là, tu sais, pour se mettre en valeur, c'est pas ça, mais c'est parce que je trouvais ça formidable de le regarder en sa compagnie. Oui. Je veux dire qu'on regardait, nous, les Gémeaux, pour ensuite les commenter après, à ce juste la télé. Écoute, on s'est vraiment, vraiment bidonnés. Et le pire, c'est que finalement, on a tourné la première émission vendredi. Et là, je suis assise, puis là, je fais bon. On pense que... Ben, moi... Puis là, tu fais... Oh, non, non. Là, la couette, oh, ben là, en arrière de l'oreille, là, qu'est-ce que je fais là, là, tu sais? À part de ça, sachez tous, je ne suis pas une matante. On l'a bien ri, vraiment. Bien, moi, ça m'a fait plaisir de vous imiter. Merci, c'est comme ça que ça se termine, tout le monde. Je veux remercier nos invités de ce soir. Alors, tout d'abord, M. Pierre Marcotte, qui nous rendait visite. Merci beaucoup. Ensuite, Chantal Fontaine qui nous rendait visite. Bien sûr, vous pouvez voir Chantal Fontaine dans Yamaska les lundis soirs à 20h à TVA. Elle anime également Tête de Cygne Marché à TVA les samedis matins à 10h30. Et elle est copropriétaire du restaurant Accor dans le Vieux-Montréal qui, en passant, est délicieux. Alors voilà, je voulais le mentionner. Merci beaucoup, Chantal Fontaine. Merci. On remercie également Pierre Brassard qu'on peut voir toutes les semaines à travers. Sur les ondes de la première chaîne de Radio-Canada. C'est les samedis matins à 11h. Merci, Pierre Brassard. Merci à toi. Merci beaucoup. Et finalement, Lisa Fruland, qui fait partie du Club des Ex, ici même à FDI, les lundis, jeudi, midi 30. Et elle fait également partie de C'est juste la TV, diffusée sur RTV les vendredis à 21h, mais avec plusieurs rediffusions. Voilà. Lisa, merci beaucoup. Merci à toute notre équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci à vous ici en studio et bien sûr à vous à la maison. On se quitte avec un moment donné qui passera à l'histoire. C'est ta ville à toi, c'est ton exil, ton soleil du midi. C'est toi qui grandis et c'est elle qui te suit. C'est ta folie, c'est ta fantaisie.